Bonjour à tous et à toutes, ici Négor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit aperçu du Corsair K70 RGB MK2 Cherry Mix Silent. C'est un nom à la rallonge, mais c'est un beau clavier et aujourd'hui je vous en parle avec plaisir. On commence tout de suite le déballage avec le set de touches supplémentaires, le côté gauche MOBA et le côté droit FPS. Les touches sont en plastique dur, c'est assez décevant. Je pensais m'attendre à quelque chose en soft touch ou rugueux qui accroche bien au doigt et en fin de compte, non, c'est du plastique dur, juste incliné avec un peu de texture. On retrouve le câble tressé de gros diamètre qui est en fin de compte pas si rigide que ça. Il est très gros mais pas si rigide que ça. C'est assez facile de le modeler sur le bureau. Mais en tout cas, c'est un. Le câble est beau. Voilà, le câble est beau, voilà, faut le dire. Entre mon ancien Logitech qui était en caoutchouc classique et celui-ci tressé, je préfère avoir un gros câble tressé sur le bureau au lieu d'avoir un caoutchouc classique. Les deux ports USB, un alimente le clavier et le second est là pour vous fournir un hub USB supplémentaire sur le clavier qui n'est pas donc obligatoire de le brancher. Dans la boîte du clavier, on retrouve le manuel d'utilisation. On va retrouver à l'intérieur quelques petites notations pour pouvoir mieux utiliser le clavier. Avec par exemple le repose poignet, les deux USB qu'on retrouve à l'arrière du clavier et les touches de rétroéclairage et multimédia. On retrouve aussi dans la boîte le guide de garantie. C'est toujours à garder, toujours à lire, on sait jamais. Dans 6 ou 9 mois, si vous avez un problème, gardez bien ce papier-là. Ça vous indique tout ce qu'il faut faire pour pouvoir renvoyer le produit chez Corsair ou chez votre fournisseur. Moi pour ma part c'est Amazon comme d'habitude, merci à eux d'ailleurs, et ça me permet de ne pas avoir de problème de garantie, je leur envoie le produit sans souci. On retrouve enfin dans la boîte du clavier le petit repose-poignet, on va revenir dessus juste après, il est pas si bien que ça le repose-poignet. Au niveau du repose-poignet, on pourra voir que celui-ci est en soft touch avec des petits quadrillages au niveau de la paume, que ce soit à gauche ou à droite. Il est assez joli, mais il marque toutefois très facilement avec les mains grasses ou la transpiration. À l'arrière, on va retrouver trois patins en caoutchouc de longues sections. Ils sont pas épais, ils sont pas grands, ils sont longs, tout simplement. Les pattes de fixation sont assez molles, vous voyez que j'arrive à les tordre assez facilement avec les doigts. Elles sont rigides quand même de gauche à droite, c'est juste de haut en bas, elles sont un petit peu molles. Moi j'utilise pas personnellement, donc je ne vais pas vous dire si ça se casse assez facilement, mais en tout cas j'ai pas confiance. Par contre, une fois fixé, il ne bouge plus. Donc si vous le fixez, vous l'utilisez une fois fixé, vous l'enlevez plus jamais. Là il n'y a pas de souci, il ne bouge pas. Pour l'enlever, il faut vraiment bien forcer et tirer correctement un coup sec. On retrouve donc les deux ports USB, celui qui alimente le clavier et celui que vous trouvez à l'arrière du clavier. Estampillé Corsair avec le petit encart en gris. C'est vraiment pas mal. Et on passe tout de suite sur le clavier. Avec à l'arrière, comme vous voyez, le port USB, le déport du câble d'alimentation. Et cette belle plaque en aluminium brossé, comme ils disent, aéronautique il me semble, de 2 mm d'épaisseur, avec la petite vis en haut à gauche que l'on retrouve. C'est la seule vis apparente sur le clavier de façade, et ça me dérange pas en fait, je trouve ça même joli, mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs en fait, parce qu'en avoir qu'une seule ça fait bizarre. Si on en aurait eu 2 ou 4 en fait, enfin un chiffre pair en fait, qui fait qu'on les a à gauche, à droite, en haut, en bas par exemple, ça pourrait être plus joli. On retrouve en bas à droite la molette de volume, le mute du micro, du volume, en fait pas du tout de micro, absolument pas Négor. On retrouve aussi les petites diodes d'activité juste ici, qui sont bien incrustées par contre, c'est vraiment sympa. Les touches multimédia, je tapote dessus pour vous ayez le son, hein, parce qu'on va faire un petit test de son à la fin de la vidéo, mais je vais commencer apparemment au déballage. Sur le côté gauche, on va retrouver les trois profils préenregistrés sur la gauche, au milieu le rétroéclairage allumé, éteint, et la touche pour bloquer les... configuration Windows, les touches Windows, pardon, excusez-moi j'en perds mes mots. En haut on retrouve le petit encart Corsair qui s'illumine en RGB comme vous pouvez le voir juste ici. On passe maintenant au set de touches supplémentaires, donc on est ici avec le set de touches MOBA, donc on a A, Z, E, R, D, F, donc les touches classiques de MOBA, Dota ou encore League of Legends. Vous pouvez ici apercevoir le set de touches FPS qui est mixable avec celui des MOBA et vous avez donc des touches totalement modifiées de A à R et de Q à F. En jeu c'est vraiment agréable, il faut s'habituer par contre au traitement de texte car c'est un peu déroutant d'avoir des touches un petit peu incurvées. Pour cette fin de vidéo, ça va être le test sonore du K70 en Cherry MX Silent contre mon Logitech en Cherry MX Brown. Vous allez avoir 3 hauteurs de micro différentes pour ce test de fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était Négor et surtout, portez-vous bien.